She said she want me back. I never made a promise of a faithful tire. Till the day she got me called, I thought she was a... Aïe, aïe, aïe. Mon petit tomato. Voilà, voilà une de nos maisons encore. Hein. On a construit pour Alasco. Alasco, c'est un jeune. Il est malade, non? En tout cas, il n'est pas trop normal. Il boit beaucoup. Il boit hallucinogène, ce qu'on appelle striker. Le fouk belé là. Il boit donc, il dormait au bord de la mer. Et en 2000, combien? C'est en 2020, en avril 2020. Ouais, voilà, que vrai. Nos fans, ils nous ont envoyé l'argent. Et puis, on a construit cette maison là pour Alasco. Et donc, ça fait 2 ans. 2020 maintenant, ça fait 2 ans. Non, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Mmh. Donc aujourd'hui, on est venu donner un coup de fraîcheur à cette maison. Alasco lui-même, il n'est pas là. On a fait ça propre pour lui. Il dormait au bord de la mer là-bas. Il fait des petits métiers pour pouvoir avoir un peu d'argent, pour se saouler. L'argent, c'est pour se saouler, non? Se saouler. Se saouler. Et donc, moi, mes fans de Snapchat, quand ils ont vu ça, on a décidé de le loger. Et attention, entre griffes, c'est la reine qui nous a aidé à le loger. Parce que la reine nous a permis d'avoir ce petit espace d'environ 45 mètres carrés. Hein. C'est plus que ça, oui. Donc on a construit, on a mis, on a fait ce qu'on pouvait le temps qu'il dort. Mais là, il a fermé. Tu vas chercher Alasco. Va chercher Alasco. On va le trouver, le père. Tu peux pas le trouver comment? Allez, elle est partie. Elle est partie. Je va chercher Alasco, mon petit. Alasco, ça va? Oui, ça. Mais on te cherche. On te cherche. Allons à la maison. On est en train de mettre un coup de peinture sur ta maison. Tu es venu travailler un peu? Oui. Bon, les amis, c'est Alasco qui est là. On est venu le chercher. Il fait palissade. Il fait un peu de palissade. Donc, ça fait combien de temps on ne s'est pas vu? 2-3 mois. Hein? Alors, on dit quoi? Donne-nous les nouvelles. Ça peut arriver 2 mois comme ça. Hein? Et ta maison, ça se passe bien? Oui, ça passe bien. Voilà, on est là-bas. On est en train de mettre peinture. Viens, viens, tu vas nous aider un peu. Allez. Donc, m'achète là. Il te fait pas confiance. Si tu m'as respecté, Dieu aussi n'a qu'à te respecter. Bon, les gars, on va montrer les détails aux abonnés. Ces gars, ils se débrouillent ici tranquille. Avant, ils dormaient au bord de la plage. Grâce à mes abonnés Snapchat et grâce à à la reine, on a pu faire ça pour lui. La démo. Parmi tous ceux qu'on a aidés, c'est le seul où on voit les traces des aides. Tous les autres là, vélo, fauteuil roulant, un maquis qu'on a construit, tout ça, on voit. Voilà la petite maison d'Alasco. Voilà la petite maison d'Alasco. Voilà le lit. Le lit n'a pas encore été changé. Non. Tu es très propre à Alasco. Plus propre même que mon petit Thomas. Hein? Félicitations. Félicitations à Alasco. Donc on va faire ta peinture, tranquille. Voilà. Merci toujours de nous donner envie d'aider les autres. Parce que quand on voit ça comme ça, ça nous donne envie de refaire ça pour que des gens comme lui. Et quand tu fais ça pour les êtres humains normaux, c'est bizarre. L'affaire finit mal. Crébé, il m'a plus à décor bien organisé. Hein. Il n'y a pas de besoin. Ah, tiens, derrière, là, sur la bon, allez, venez, on est bien. Tiens, 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 tiens. Voilà, on va rajeunir un peu. Tu dis quoi, Alasco? Je te remercie beaucoup, tu as fait une jolie maison. J'ai fait une jolie maison. Mmh. C'est pour toi, tu es fier. Dis merci beaucoup à nos abonnés. Merci. Que l'être humain est toujours humain. Ils ne sont pas devenus des robots. Ils vont lui. Différentes qualités de fraîcheur. Merci beaucoup. Merci. Alasco, continue de prendre soin de ce qu'on t'a donné et on va être toujours fier. Il y a plein, on leur a donné même 5 francs, ils ont disparu. Merci, merci les abonnés, likez, partagez, à bisous. Ils s'occupent de vous. Il faut donner ici, chap-chap. Hello, hello la famille, bienvenue sur votre page Buzz Pomaz, votre page qui fait dans l'actualité des stars en temps et en heure réelle.
Nous venons ensemble de suivre cette vidéo d'observateur qui me fait vraiment chaud au cœur. Parce que quand c'est bien, il faut apprécier. C'est ce genre de geste qu'on veut de toi. Pas seulement les clashs pour dénigrer les gens. C'est vraiment très bien que le Seigneur te bénisse au centuple par rapport à ce geste. C'est tout ce qu'on demande à nos blogueurs, à nos influenceurs. Bravo à toi, tu mérites vraiment tout le succès. Quand tu vas bien faire, on va apprécier. Quand tu vas mal faire, on va également clasher. Donc, bravo à toi. Du courage, c'est quel sûr tu seras béni avec ce genre de geste. Bon, la famille, c'était juste ma petite observation par rapport à ce geste de grand cœur d'observateur. Surtout, prenez soin de vous et bonne journée dans la paix du Christ.